Coucou mes choupchoups, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, même si j'ai encore un petit peu la voix cassée, donc je vais peut-être pas forcément monter dans les aigus aujourd'hui, et que je suis un petit peu stressée aussi, puisque je ne sais pas ce à quoi je dois m'attendre, mais je suis très contente de vous retrouver pour la suite de Detroit Become Human. Ce jeu me traumatise et me fascine en même temps, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite, et j'espère que je vais survivre au niveau de stress intense que ça va me procurer. Voilà, je vous demande pardon pour ma tronche, parce qu'il est tôt au moment où je tourne, c'est le matin, j'ai juste fait ma petite toilette, j'ai mis de la crème, donc je brille comme une boule à facettes. En même temps, est-ce que c'est grave? Non, Lisa est d'accord avec moi. Hein, ma Lisa? Mettez ma petite Lisa, ça. Ah non, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose. La dernière fois, elle a dit que j'avais les traits tirés quand même. Hein. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais ah, elle allait dire quelque j'aime chose. bien votre décoration intérieure. Elle reflète vraiment votre personnalité. Enfin, j'aime bien. Elle est trop mignonne. Merci Lisa. Alors, je te retournerai bien le compliment, mais ta déco intérieure, c'est un petit peu sobre. Mais c'est vrai que ça reflète ma personnalité chez moi. Merci beaucoup, ma chérie. Du coup, on y va, on continue. Let's go pour la suite de Detroit Become Human. Nous sommes le 6 novembre, ça y est, c'est enfin terminé le 5 novembre, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, c'est pas Marcus quand même? Hein? Qu'est-ce qu'il foutrait dans l'eau, Marcus? C'est toi, Marcus? Oula, oula, ça commence très bien. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Marcus, qu'est-ce qui t'est arrivé depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Il s'est passé quelques heures. Diagnostic, oui, ça peut être utile, hein. Alors, qu'est-ce qui. Alors, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ah, c'est stressant! J'ai l'impression que mon ordi bug. Oh, j'ai déjà été pas mal traumatisé par des bugs de PC, alors. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Processeur audio endommagé. Alors, je sais pas si vous entendez, mais c'est très désagréable, hein, je te dis. Alors, ok, deuxième. Unité optique défectueuse. Alors ça, je pense qu'on l'aura tous vu, hein, ça c'est... Y a pas de problème. Y a quoi d'autre? Y a un truc ici, y a un truc ici. Qu'est-ce que c'est? Pompe de régulation à thorium est défectueux aussi. Mais il est pas mort! Il est pas mort! Donc il s'est quand même fait bien dégommer la gueule, hein. Et composant de jambe gauche et droite disparu, il peut pas se tenir debout. Ok, super, donc on va devoir ramper. L'extase. Ah bah oui, il faut remplacer les jambes, oui. Est-ce que je peux voir... Ramper L1. Oh, le pauvre! Eh, t'inquiète, t'as toujours ton cucu. Franchement, je sais que là, comme ça semble pas être le truc le plus important, mais je t'assure que ton cucu, c'est quand même... C'est un peu comme Captain America, tu vois, c'est le cucu de l'Amérique. Bah toi, t'es le cucu de Détroit, tu vois. C'est important d'avoir un beau cucu, d'être bien, bien costaud. Voilà, là il y a une jambe. Voilà, une jambe. C'est parfait, une jambe. Tu vas pouvoir péter une petite jambe. Est-ce que c'est bon? Compatible. Ah, bah voilà. Ah, assieds-toi. Voilà, ça va te faire du bien. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Genre, il s'est pris une balle. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois, on est d'accord. Mais à quel moment. Ah, faut le faire en même temps. À quel moment il s'est fait déglinguer comme ça? Courage, ça va aller, ça va aller. Déjà, il retrouve une jambe, c'est pas mal. Il en manque une autre, une oreille et un œil. Donc, on n'est pas si mal. Ok, on a une jambe droite. Ça, c'est rapide en emboîté, hein. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, Marcus. On va faire ça ensemble, d'accord? Alors, je sais pas pourquoi la dernière fois, au début du jeu, c'était bleu. Vous avez été beaucoup à me le dire. Parce que là, c'est noir, normal. J'ai pas du tout touché au réglage la dernière fois. C'était peut-être un problème de départ, je sais pas. Là, moi, je vois tout en noir, hein, en tout cas, et en rouge. Incompatible, évidemment. Damn it. Ok, on continue, on continue. On va trouver une autre gambette. C'est pas la priorité, la gambette. Vraiment, j'aimerais bien une oreille. Où on peut trouver une oreille? Une oreille! On voit le cucu quand même, hein. On voit le cucu. Ah bah, faut positiver, hein. Pousse. Oh, il y a un cadavre. Super. Il a pas... Il est pas mort? En état de marche. Compatible! Oui, c'est bien mon chéri. Voilà, t'as une deuxième gambette, tu vas pouvoir aller plus vite. Ah mais il est pas mort le mec derrière. Ah, c'est affreux. Allez, on branche. Allez, on a deux jambes. Pourquoi le mec derrière il bouge pas? Pourquoi il fait pas comme nous en gros de chercher à trouver des pièces compatibles? Pourquoi il fait pas ça l'autre derrière? S'enfuir de la décharge. Attends, 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 step by step. On va essayer de trouver d'autres trucs. Ah bah oui, mais forcément notre radar est pas ouf vu qu'on est tout défectueux de partout. Ok, alors attends, 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 calme-toi, ok. J'ai vu un gars. Attends, attends. Il parle pas lui, il bougeait, je peux pas lui parler? Ah non, c'est mécanique. Ah, c'est horrible. Est-ce que toi je peux te parler? Non, c'est
statufiée. Allez, ça va aller, Marcus, ça va aller. On va sortir de là, on va sortir de là, tout va bien. C'est un très bon début de partie, hein. On est content là. On est content, on est en plein de bonnes ondes. On peut pas trouver, sérieux, une oreille ou un œil? Parce que le pauvre là, il est pas... Ah! Ah! Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho! Trouve Jericho! Oh! Ça, c'est pas très sympa de me faire des frayeurs pareilles. Vraiment, c'est pas très très charitable. Je suis pas cardiaque, mais je vais le devenir. C'est... Ok, donc on va trouver Jericho. Je sais pas qui c'est, mais il doit être sympa. Ok, sortons de là. On voit rien, on voit... je vois que dalle, hein. C'est le cucu d'un ours, là. C'est moins les poils, quoi. C'est... Oh non. Oh non. Ah non. Ah. Ah, c'est pire que Fort Boyard. Fort Boyard, il y a des insectes. Ah. Ah, je le vis très mal. Ah là là. La 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 la, c'est pas vrai, c'est des pixels, y'a pas vraiment des mains qui essaient de m'agripper. Pourquoi tu me fais du mal? Pourquoi? Mais genre, pourquoi tu veux m'empêcher de sortir? Ah bah tu vois, je voulais t'aider, et bah en fait, non, oh c'est horrible. On n'est pas les seuls à chercher des trucs en fait, hein. On sert sur les cadavres des autres, c'est quand même fâche glauque, hein. Trouver une unité optique, trouver une bombe. Ok, voilà, ah, très bien, c'est ce que je voulais. Est-ce que le radar... Non, le radar, là, il me dit fuck it. Ok, non, mais j'ai compris, pas de radar, y a pas de problème, je le dis bien. Alors, attends, est-ce que l'autre connard qui nous a agrippé... Attends, calme-toi. Est-ce que tu veux me parler? Oula, je vois rien. Ok, c'est pas par là. C'est pas... Est-ce que lui, il veut me parler? Inspecter. Non, il veut pas me parler, mais je peux inspecter un corps. C'est toujours sympathique. Pompe incompatible. Ah, oh, fuck. Fac. On va en trouver une, Marcus. Ne t'inquiète pas. Il y a des jambes qui bougent toutes seules. Tout va bien. Je contrôle la situation. Il y a pas... Attends, je peux examiner les jambes qui bougent toutes seules. Ah non, c'est pas les jambes toutes seules. C'est ça. Ok, examinons. Moi, j'examine, hein. Je suis désolée, c'est pas que je veux pas vous manquer de vos respects à vos corps mécaniques, mais... Est-ce que ça marche? Incompatible. Ah, fac. Fac. C'est pas un nous, ça? Non. Incompatible. Eh, hey, Sandek, on n'est pas un modèle si rare que ça, si? Oh là, il y en a un qui rampe à moitié, là. Oh. Okay. Wow. Mais c'est quoi, ça? Mais c'est quoi, ça? Arrêtez de vous faire du mal mutuellement. En plus, moi, franchement, ils me demandent de l'aide, je les aide, hein. S'ils me demandent de, genre, trouver une pompe, machin, truc, tu vois, ça me coûte rien de faire ça. Allez, Marcus, courage, perds pas espoir. Allez, on va trouver, là. Oui, on a la pompe. Ah. Ah. Attends, s'il te plaît, ne fais pas ça. Bah non, je l'épargne. Je vais en trouver une autre. J'espère. Non, on est quand même pas des crevards à ce point. Je vais faire le tour. Par contre, meuf, je te préviens, si je trouve rien, je suis désolée, je vais devoir te tuer. Ah, j'espère que je vais vraiment trouver une autre. Je peux pas aller par là? Ok, je peux pas aller par là parce qu'il y a de l'eau. Si, je peux aller par là. Allez, j'ai bien trouvé une, sérieusement, je veux pas tuer une meuf. Ça se fait pas, il y a quand même tellement de cadavres. C'est quoi cette violence? Ça me tend et je trouve pas! Allez là, trouve Marcus, tu peux le faire. Là, il y a encore un truc qui gigote là. Non mais stop de malgré tout. Bah ok, s'il veut plus, je vais pas forcer le truc, oui. Vas-y, je peux comprendre, c'est une agonie de ouf, donc si t'as une conscience et tout, je veux pas forcer le truc, hein. En vrai, je respecte, hein. Non mais c'est pas, ça doit pas faire du bien à Marcus psychologiquement, mais en même temps, là, voilà, je veux dire, de toute façon, il est pas bien psychologiquement, donc il y a un moment... Il a pas une pièce qui peut nous aider par hasard, Attends, il y a un truc là. Non mais je peux comprendre, ben voilà, les gars ils sont en train de agoniser. Putain, je vais pas y arriver, hein. Je sais pas si je vais pas vous faire des cuts pour cette partie là, parce que je pense que ça peut être bien long, mais en même temps il se passe des trucs quand même, hein. Donc après, tu vas me dire, s'il se passe des trucs, c'est pas forcément joyeux de ouf. Oui, j'ai trouvé un œil. Oui.
Bon, alors, oui, alors, niveau traumatisme, ça va pas être super. Tu vas sans doute lui arracher la tête. Ok, j'avais pas pensé à ça. Ok, j'ai un œil. Wow! Ah bah, au moins, j'aurai toutes les autres pièces disponibles. Allez, on se dégage. Allez, allez, on bouge de là. Ok, bah oui, hein. De toute façon, là, c'est qu'une tête. Alors, y a pas le complexe de je le tue, je le tue pas. Ok, on a gagné un œil. Ça, c'est bien. On va voir, on va mieux voir, fatalement, hein. Un peu douloureux, peut-être. Ça va aller, Marcus. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Ok, on a deux yeux à nouveau. Oh, joli. On voit mieux. Ça, c'est cool. Est-ce que mon radar, du coup, refonctionne? Ah, c'est mieux. C'est mieux. On se sent mieux. Ok, on a un œil. J'aimerais bien une oreille, ce serait bien. Est-ce que du coup... Oui, il y a des trucs maintenant, j'ai des aides. Ok, là-bas, il y a un truc. Ah, ça va aller, Marcus. T'as tes jambes, t'as un œil, on est sur le bon chemin. Ça va aller, il y a un truc là-bas. J'arrive. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'arrive. C'est joli, ces jambes brillent dans le noir. Essayez de grimper. Ah bon? Vraiment? Grimper sur les corps, il n'y a pas une autre alternative possible? J'ai pas envie de buter la meuf, j'ai pas envie de la buter, ça se fait pas. En vrai, ça se fait trop pas. Je vais essayer de buter une meuf quand même. Et il y a un truc ici, je crois. Examiner, ouais, vas-y, si je peux choper un truc. C'est le même modèle que nous, j'ai l'impression. Oui, on a la pompe. Oh, je suis contente, j'ai pas à tuer la fille. Ah, oh, ça me fait plaisir. Yes, bon, il reste plus que l'oreille. Allez, ça va te soigner, ça. Vas-y, mon grand. Ça va aller. Putain, il est courageux, il s'ampute tout seul, quoi. Allez, Marcus. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, tu vas gérer. Voilà, balance, on s'en fout. De toute façon, vu l'état du truc, c'est pas un problème. Allez, on met une nouvelle petite pompounette. Voilà, ça va mieux? Oh, je sens les battements de cœur dans la manette. Ok, il ne manque plus que l'oreille. Est-ce qu'il faut que je monte pour choper l'oreille ou est-ce que si je monte, je me barre? Oh là là, le truc qui gigote de partout, c'est affreux, ils ont même pas de vraie agonie, tu vois. Je sais pas qui c'est ça. Attends, je vais regarder. Oh, il est là, l'autre. Ah, trop bien, j'ai trouvé mon oreille. C'est bien qu'on ait le radar quand même, hein. Il est mort au moins, lui. Parce que j'ai pas envie d'encore gêner quelqu'un qui est vivant, tu vois. Ah, il est dans la main. Ok. Pourquoi il est dans... Peut-être qu'il voulait pas entendre les cris d'agonie. Ah, c'est affreux. Le gars, il a enlevé son processeur audio, tu vois, il doit y avoir une raison, hein. Du coup, il va entendre les gens. Au moins, on aura plus cet horrible grésillement affreux, là. C'est bon, mon chéri. C'est bon. Et maintenant, il faut gravir la porte. Super, un bonheur. Un bonheur. Escalader les cadavres pour sortir. C'est un vrai kiff. Donc, c'est là-bas, la pente, hein. Ah oui, alors, bah, allons-y, hein. On va gravir la pente. On va... On est quand même dans de meilleures conditions que... C'est quoi, je vois pas. Ah. Allez. Ça va aller, Marcus, ça va aller. T'as tous ceux qui essayent, c'est tellement glauque. Ça va aller, mon grand. Tu vas sortir de là. Il s'en sort bien, en vrai, par rapport aux autres. Ça va aller, ça va aller. T'y arrives, t'y es. Tu vois le bout. C'est vicieux parce que des fois je vois pas les QTE parce que je regarde autre chose. Là ça va, j'ai vu la croix. C'était un petit QTE, c'était un QTE nous-mêmes, mais quand même, tu vois. Ça y est, t'es sorti, chérie. Tout va bien. J'ai envie de lui faire ça, tu sais, de lui essuyer un peu l'eau. Petit doudou. Plus il a perdu son papa. Il a des yeux différents maintenant. Il est encore plus beau. Hein. Oui, je sais, c'est superficiel comme constat, mais. Comment tu vas? Comment tu vas? Prendre quoi? Un couteau? C'est pas. Non, arraché. Oh, ok, il s'arrache son truc d'androïde. Ah bah du coup il va plus être grillé comme ça. Tout le monde croit que c'est un humain normal. Bon sauf s'il a le même modèle chez lui forcément.
pratique. Ça, c'est pas con. Faut que tu trouves des fringues maintenant. Mais après, tout le monde va vouloir le pécho en plus. C'est trop pratique, il va trop bien s'intégrer en vrai. Allez, ça va aller, mon grand. Ça va aller. Oh, il est beau. Il est beau, il est grand, il est sublime. Je l'aime, Marcus. Je l'aime d'amour. Hein. Je m'appelle Marcus. Oui, on sait. Oh là là, il a ce côté super-héros là. Genre c'était « Je m'appelle Batman ». Et comme ça, il va puter tous les méchants. Oh, ça c'est trop bien. Ah, Marcus, tu gères. Hein. Ah, Marcus, tu gères la fougère. Hein. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Il est beau, il est gentil, il est courageux. J'adore Marcus. J'ai tout trouvé ou pas? Ouais, j'ai juste eu le choix, du coup, de pas tuer. Enfin, j'ai fait le truc, quoi. Ouais, bon, en même temps, il ne devait pas y avoir 50 000 options, pour le coup. C'était juste un peu long. Je pense que je vous aurais cuté les moments où je cherche, quand même, parce que j'ai quand même un petit peu, tu vois, trénouillé. On continue, bien sûr. On retrouve... Oh, mon Connor! Mon petit Connor Rooney. Toujours le 6 novembre. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui sont nés le 6 novembre? Vous êtes des scorpions? Sympa comme signe. Trouver Amanda. Ah oui, oh, c'est sympa comme cadre. Est-ce qu'il y a des trucs à analyser ou... Il se met bien Connor hein, pendant que Marcus il sort de la décharge. Hein. Connor, il est à Versailles. On va aller plus dans un jardin japonais en vrai. Hein. Il y a des piou-piou. J'aime les piou-piou. Amanda. Ah, ça doit être la meuf là-bas. Attends, il y a un truc là-bas. Non, change de point de vue, change de point de vue. Je ne vois plus rien. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un truc ici. Il est où le gars? Ah. J'ai vu quelqu'un s'occuper de plantes. Est-ce que c'est Amanda? Je ne suis pas sûre, ça a l'air d'être un androïde. Ah non, c'était elle. Amanda? Oh, hors note, Amanda. Bonjour. Bonjour, Amanda. Elle me fait confiance, ça c'est bien. Connor, contente de te voir. Oh, ce petit sourire comme s'il voyait sa maman. Connor. Trouver ce déviant n'était pas une mince affaire. Et tu l'as interrogé avec une grande finesse. Ah, ce que j'ai fait avant. Tu as été remarquablement efficace, Connor. Merci, Amanda. Merci, Amanda. Nous avons demandé à la police de nous le confier pour approfondir les recherches. Ça pourrait nous éclairer sur ce qui s'est produit. L'interrogatoire a dû être... délicat. Qu'as-tu pensé du déviant? Traumatisme, déviance, intervention, simulation, traumatisme. Il présentait des signes de stress post-traumatique dus à ses mauvais traitements. Comme si on avait essayé de remplacer son programme d'origine par de nouvelles instructions. Le lieutenant Anderson a été officiellement assigné à l'enquête. Ça c'est bien. Que penses-tu de lui? Il est cool. Hank, il est cool. Désagréable, dysfonctionnel, fascinant, pas sûr. Fascinant. Je pense qu'il est irritable. Et plutôt misanthrope. C'est pas ça que j'ai dit? Mais je pense aussi que c'était un bon détective avant. C'est un personnage fascinant. Ah, c'est pas ça que je voulais dire. Nous sommes obligés de travailler avec lui. Mais il est bien que... Il est bien, Hank. La meilleure approche. Bah... amical. Je ferai mon possible pour établir une relation amicale. Si je parviens à gagner sa confiance, ça facilitera notre... Elle est pas d'accord. Bah, je m'en bats les couilles, meuf. Moi, je serais pote avec Hank, hein. De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance. On en compte des millions en circulation. Donc si je dis que je vais être amical, ça veut dire que je peux être déviant, quoi. Les conséquences seront désastreuses. Tu es le plus avancé des prototypes que CyberLife ait créé. Si quelqu'un peut tirer ça au clair, c'est bien toi. Ah, je suis un prototype. Vous pouvez compter sur moi, Amanda. Mais elle a pas aimé quand j'ai dit que je voulais être amical. Fais vite, Connor. Oui, bah ça va, t'as qu'à le faire, hein. Grognasse, va. Non, elle, non, elle est pas méchante, mais j'ai pas aimé qu'elle ait pas aimé que je dise que je vais être amicale, tu vois. Ça veut dire que, je sais pas, pour moi c'est chelou. C'est qu'elle est pas d'accord, enfin je sais pas, je me méfie. Ah, on va retrouver Ankounet. Lieutenant Anderson, où il est? Ok, faut que je parle à elle. Et j'ai rien d'autre à regarder, ça m'a l'air très calme autour de moi. Je suis où? À la département de la police, ok. Parlez. Je peux t'aider? Oui. Je viens voir le lieutenant Anderson. Tu as une autorisation? Je vais t'appeler Cynthia. Connecte-toi. Ah bah non. Ah mais que? Connecte-toi Cynthia. Ah en Bluetooth. Le lieutenant Anderson n'est pas encore là, mais tu peux l'attendre à son bureau. Merci Cynthia, tu es soyeuse. Allez,
On peut pas parler aux autres, c'est dommage. J'aimerais bien parler à tout le monde. Alors, oh là, il y a du bordel là-dedans. Oula, il y a plein de choses à faire. Wow, il y a énormément de choses à faire. Alors attends, déjà, ça c'est qui? J'aime bien parler aux gens, moi, si je peux. Tu peux me causer, toi, ou... Demander, ouais, on peut. Je cherche le bureau du lieutenant Anderson. C'est le bureau qui est là. Il nous faut vraiment... Tant qu'à faire, autant gagner du temps. Merci, cocotte. Attends, il doit y avoir d'autres trucs à faire, mais... Ah, il y a masse de trucs à faire de partout, en fait. Je sais pas à quoi ça sert de regarder. En fait, je sais pas si j'ai du temps ou pas. C'est ça qui m'effraie un petit peu. Parce que là, je préfère fouiller le bureau de Hank pour savoir des trucs sur lui, tu vois. Mais s'il y a des trucs à apprendre ailleurs, ou est-ce que les autres trucs, c'est juste pour être sûr que c'est pas son bureau? Parce que dans ce cas-là, je m'en fous. Bon, on va d'abord faire le bureau de Hank. Passons en mode priorité. Ah, attends, le magazine. Oh! On sait pour Karl! Mort d'un célèbre peintre, Karl Manfred, une des lumières de Détroit s'éteint. L'ONU craint une troisième guerre mondiale, bon ça craint aussi. La cote de popularité de la présidente Warren descend à moins 33%. Ok, voyons la suite. La police a confirmé la mort du célèbre artiste Karl Manfred Dude d'après le médecin légiste à un arrêt cardiaque provoqué par une situation domestique stressante. Son fils Léo a demandé aux médias de respecter la vie privée de la famille en cette période de deuil. D'accord. Ok, donc c'est pas... Il a pas été accusé d'être l'assassin. Ok, d'accord. Alors, c'est intéressant. Je vous laisse lire les articles. Parce que moi, je les lirai au montage. Putain, c'est super intéressant, les trucs politiques. Et c'est marrant parce que c'est le point de vue des États-Unis. Ça, c'est l'un d'entre vous qui m'avait fait remarquer ça. C'est le point de vue des États-Unis, comme par hasard, c'est les Russes, les grands méchants, quoi. Enfin, bref. Ok. Très intéressant. J'aime bien voir l'actu. Ok, donc le bureau de Hank. Lieutenant Anderson. C'est là. Est-ce qu'on a des choses à voir? Je pense que oui. Bureau localisé. Il est où? Ben, il est pas là. Excusez-moi, savez-vous à quelle heure le lieutenant Anderson arrive habituellement? Ça dépend où il a passé la nuit. Ouais, c'est ça, à mon avis, il est pas du genre à avoir des heures fixes. On verra avant midi. Merci. Ah bah oui, hein. Je suis obligée de m'asseoir? Ok, bah go alors. Je ne serais pas assise dans son fauteuil, perso. Mais bon, tu fais ce que tu veux. Ah, c'est pas son fauteuil, je crois qu'il est de l'autre côté. Explorer les bureaux, bah oui, grave. Se lever. Oui, ça servait à rien de s'asseoir, en vrai, je me disais bien. Alors, visitons. Allez voir le déviant. Oh, on peut aller voir le déviant? Oh, trop bien. Écoutez, ouais, moi je veux en savoir plus sur Hank, en fait. Knights of the Black Death, Heavy Dark Metal. Ok. Appeler. Non, je veux pas appeler. Analyser. Oh, il y a plein de trucs, ça c'est trop intéressant. Super. Alors, il aime le café. Bon, ça va pas être un scoop de ouf. Ah non, j'ai pas vu. Tasse de café, café froid, trace de caféine. Oui, bon, ok, il boit du café quoi. On n'est pas sur un scoop légendaire pour le coup. Nous avons érable du Japon asiatique. Ok, il aime l'érable du Japon. C'est une petite plante, c'est sympathique, c'est convivial. Il aime les donuts. Ah bah dis donc, on est vraiment sur des scoops. Heureusement que je l'ai fait. Hein. Nous avons, qu'est-ce que c'est? Slogan anti-androïde. Ah, ça c'est moins cool. Ok, super, merci Hank, on apprécie beaucoup cette trahison. Nous avons une casquette de basket pour le Détroit. Ok, il aime le basket. Bon ça, ok. Nous avons allumettes. Oui, en même temps il fume, donc obvious. Ici. Non, allumette, j'ai vu. C'est pas ça que je voulais. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Des poils. Il a un chien, il a un Saint-Bernard. Ok, d'accord, très bien. Et ici? Ok, cellule spéciale raid, unité interdépartementale responsable. D'accord, donc il connaît... il a un truc contre la raid ice, quoi, on va dire. Ok. D'accord. Bah cool. J'ai appris pas mal de choses. Bon, c'est pas des trucs... Ah bah le voilà! Je suis content de vous retrouver, lieutenant. Oui, alors c'est peut-être... Ouais, c'est peut-être un peu trop amical. Dans mon bureau. Ah. Tu t'es engueulé. Hey. T'as jeté un œil aux échantillons. Est-ce que j'écoute ou est-ce que j'explore les bureaux? Je sais pas s'il y a grand chose à faire, hein. Je pense que ça vaut mieux d'aller... Attends, on va quand même regarder là vite fait. Oh non,
non, ça c'est bon, je l'ai fait. Pourquoi ça me met encore ça alors? J'ai envie d'aller écouter ce qui se passe. Attends, attends, je vois plus rien. Je suis pas du bon point de vue. Je suis pas du bon point de vue. On peut rentrer? Des cas d'agression, voire d'homicide comme ce type hier soir. C'est plus seulement le problème de Cyberlife. C'est à présent une enquête criminelle et on doit s'en charger avant que ça chie à plein tube. Je veux que tu te mettes sur le coup et que tu détermines s'il existe un lien. Pourquoi moi? Pourquoi tu me demandes de gérer ces conneries? Je suis le flic le moins qualifié du pays pour cette enquête. J'y connais que dalle en Android, Jeffrey. C'est à peine si je peux changer les réglages de mon téléphone. Ah mais t'as connard. Tout le monde a la tête sous l'eau. Je pense que tu es parfaitement qualifié pour ce type d'enquête. Mon cul! La vérité, c'est que personne veut s'occuper de ces foutus androïdes et que c'est toujours moi qui récolte. Cyberlife nous envoie cet androïde pour nous assister dans nos recherches. Un prototype ultra perfectionné, ce sera ton partenaire. Tu te fous de moi! J'ai pas besoin d'un partenaire et sûrement pas de ce bouffon en plastique. Bah merci, oh, merci. Tu commences. Moi je te voyais comme un papa. Les noix. Tu es voilà. Lieutenant de police. Tu es censé faire ce que je te demande et fermer ta grande gueule. C'est ce qu'elle te répond, ma grande gueule. Ok, ok. Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu, histoire de ne pas ajouter un paragraphe à ton dossier disciplinaire, parce qu'il est déjà gros comme un roman. Putain de merde. Cette discussion est terminée. Il est mis à l'amende, donc, là. Jeffrey, nom de Dieu, pourquoi tu me fais ça à moi? Tu sais à quel point je déteste ces merdes. Pourquoi tu me fais ça à moi? Écoute. J'en ai ma claque de t'entendre pleurnicher. Alors soit tu fais ton boulot, soit tu me rends ton insigne. Maintenant, si tu permets, j'ai du travail à faire. Je suis pas sûr que ce soit le bon moment pour lui proposer un donut, ça. J'ai un doute, hein. Non, laisse, on se barre. Alors. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Il y a rien à dire. Bonne journée à vous, commandant. Clairement, faut pas s'en mêler, Ils nous considèrent comme des sous-fifres en fait, donc ça sert à rien de... Quand on a un truc à faire dans notre enquête ou quoi, ouais, vous prendre la parole, là on aurait dit quoi? Genre ouais, il est cool Anderson, enfin, ça sert à rien. On peut aller voir le déviant, j'aimerais bien aller voir le déviant, mais... Je sais pas si je vais voir qui en premier en fait. Hank d'abord ou le déviant d'abord, je sais pas ce que c'est là-bas. Je sais pas où il est le déviant aussi, en fait je sais pas plein de choses, je ne sais rien en fait, ça va plus vite. Bon, allez, on va aller voir Hank, peut-être qu'il va venir avec moi voir le déviant. Je vais être... constructif. C'est un honneur de travailler avec vous, lieutenant. Voilà. Je suis sûr que nous ferons une bonne équipe. Trop enthousiaste. Tu es beaucoup trop enthousiaste. Partenaire. Maintenant que nous sommes partenaires, nous devrions faire plus ample connaissance. Ram. Enthousiaste. Quoi qu'il en soit, sachez que je suis très heureux de travailler. Voilà, il va être touché peut-être à un moment. Je suis sûr que nous ferons une bonne équipe. Bureau. Y a-t-il un bureau de libre pour moi? Je crois pas, par contre. Pas occupé. Ah bah voilà, on est en face en plus. On va être comme les deux doigts de la main. On va d'abord analyser les fichiers sur la déviance et après on ira voir le déviant. Même si je sais toujours pas comment on fait pour aller voir le déviant, mais je trouverai bien à ce moment-là. Hein. Allez, contourne, c'est quand même pas la poubelle qui va te gêner. Ah si, fais ses sites, Connor. On est dans l'administratif là. Hein. En coup d'œil, il a pas été contre nous. Enfin si, face au lot, oui, mais. Chien, basket, musique, haine des androïdes. Chien. Vous avez un chien, n'est-ce pas? Comment tu sais ça? Les poils de chien sur votre siège. C'est peut-être trop... Chien. Analyse. Comment s'appelle votre chien? Qu'est-ce que ça peut te faire? Bon, c'est juste pour être sympa. Sumo. Oh, il nous aime mieux. C'est mignon comme nom, Sumo. Ok, on va pas faire en haine des androïdes, basket. Vous êtes fan des Gears de Détroit? Denton Carter a marqué 53% de ses paniers de derrière la ligne des 3 points hier. Avez-vous vu le match? J'étais en train de le suivre au bar hier soir. Oh. Ah. Ah, faut peut-être arrêter de parler en fait, hein, Heure d'arrivée, je sais pas ce que c'est heure d'arrivée. Oh non, heure d'arrivée c'est pour lui dire. Dis donc, t'as vu l'heure à laquelle tu t'es pointé? On va peut-être essayer musique ou haine des androïdes, ça peut être intéressant aussi, mais j'ai peur qu'ils nous envoient chier vraiment. Musique, j'ai peur que ce soit trop privé. Bon, on peut essayer musique, vous écoute, faut essayer. Hein. Nights of the Black Death. J'aime beaucoup cette musique. Elle est tellement dynamique. T'écoutes du heavy metal, toi? Eh bien, je n'écoute pas la musique à proprement parler, mais j'aimerais bien.
Oh, oh c'est chou. Se mettre au travail, ça peut être... C'est quoi Fowler? C'est le patron? On va essayer le patron. Connaissez-vous le commandant Fowler depuis longtemps? Ouais. Trop longtemps. Ok, bon. L'aide des androïdes, j'ai pas envie de l'aborder. J'ai peur que ça le blâme, que ça le brasse. On va mettre se mettre au travail. Si vous avez des fichiers sur les déviants, j'aimerais les consulter. T'as un terminal sur ton bureau. Fais-toi plaisir. Allez. Ok, alors, non, faut lire maintenant. Le plaignant affirme avoir laissé son androïde chez lui en partant travailler. Comme d'habitude, à son retour, l'androïde avait disparu. Aucun signe d'effraction n'a été constaté. Il pourrait avoir quitté le domicile sans en avoir reçu l'ordre. Ok. Attaquer. Putain, il y en a beaucoup. Oh, elle me dit quelque chose, elle. Saccager la maison. Analyse... Ouais, ça ira plus vite. On va analyser tous les dossiers. Hein. Oui, ouais, il y en a vraiment beaucoup. 243 dossiers. Ah ouais. Les premiers remontent à 9 mois. Tout a commencé à Détroit. Et ça s'est répandu dans tout le pays. Pourquoi ça a commencé à Détroit? Apparemment, un homme aurait été agressé par un AX-400 hier soir. Ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête. Tu crois que c'est le fils de Marcus? Enfin, le fils de... Tu vois, de Karl? Direct, agressif, professionnel, compréhensif. Compréhensif. Je comprends que vous ayez des problèmes personnels, lieutenant. Trop compréhensif, là. Mais vous devez les mettre de côté. Ça, et... c'est mon réalisateur, ça c'est pas compréhensif. Parle pas, bah oui, c'est ça. Je suis pas ton copain et j'ai pas besoin de tes conseils, ok? Connor, j'ai dit compréhensif, j'ai pas dit moralisateur. Q1. Hein. Déterminé, on retire de l'enquête, menacé. Je sais pas. Se retirer de l'enquête. Je vous suggère de régler vos problèmes personnels et de... C'est pas ça que je voulais dire! Je voulais dire que moi, je me retire! Écoute-moi bien, connard. Si ça te plaît à moi, je vous jetterai tous dans une benne à ordures et j'y voudrais le feu direct. C'est pas ça que je voulais dire, Ange, je suis désolé. Je voulais dire que c'était moi qui me retirais. Lieutenant? Désolé de vous déranger. Oups. J'ai des informations sur la X4. Après, ça peut être pas mal aussi un peu de rentre dedans. Hein. On l'a aperçu dans le quartier de Rivendell. En vrai, je en vrai... Occupe. Ça peut être un petit peu, tu vois. Il y a un moment, je veux dire, je veux bien être sympa, mais on n'en a pas à se faire victime non plus. Donc en soi, c'est pas ça que je voulais dire, mais ça lui fait pas de mal non plus. Hein. Un peu de rentre dedans pour qu'il montre, pour qu'on lui voit, il voit qu'on a du caractère, quoi. Par contre, du coup, j'ai pas vu le déviant. Et ça, c'est Q. Mais j'étais plus avec Hank, donc je sais pas si je pouvais... En fait, j'ai pas vu comment je pouvais le voir, le mec. Je sais pas si je pouvais, en vrai, parce que j'ai pas l'impression d'avoir loupé grand-chose, donc... Je ne sais pas. Ok, très bien, très intéressant. C'était plus posé, mais c'est pas plus mal. Hein. Et maintenant le troisième. Je suppose qu'on va retrouver Cara d'amour. J'aime beaucoup Cara d'amour. La petite Cara d'amour. C'est perturbant quand même. En fait, après Connor, j'aime bien quand des fois il monte un petit peu le... Il monte un peu en pression, tu vois. Ça lui fait pas de mal. Ah, attends, c'est pas Cara d'amour, ça? Ah si, c'est Cara d'amour. Dans sa maison abandonnée. Et il pleut encore. Putain. Oh, ma petite Alice. Mon bébé. Ma fifi, mon sucre. Comment ça j'en fais trop, non? Allez, on se lève. Au moins on est au sec, tu vois, c'est ça qui compte. Ça c'est bien. Ok, inspecter, raviver le feu. Oh oui, bah allons-y, hein. Ça fera pas de mal pour la petite. Elle est un peu plus chaud. C'est pas non plus des flammes de l'espace, hein. Trouver du bois. Ok. Après, je sais pas si raviver le feu, c'est une bonne idée parce que ça va... Lire, c'est quoi? Ah, j'ai pas vu ça. Ça va se faire voir de dehors, mais bon. Cyber animaux. Ouverture du premier zoo androïde. Oh la vache. Je vous laisse lire pour le coup. Hein. Faites pause. Putain, au Canada, t'as pas le droit d'avoir des androïdes. C'est ouf. Pourquoi le Canada, ils veulent pas? Purée, c'est ouf! C'est super intéressant. Ok, Canada, ils ont pas le droit d'avoir des androïdes. Ok, bon bah, sympa. Faut pas qu'on aille au Canada, quoi. C'est un peu la merde. Ok, alors il faut du bois, du coup, pour le feu.
Bah c'est à côté en fait. Comment va la petite? Elle dort bien? Bon, c'est pas inspecté, c'est secoué, mais bon. Ah, il y a quelque chose ici? Il y a plein de choses ici. Ok, ok. Il y a des trucs là-bas. Ah, c'est peut-être ce que faisait l'autre hier soir. Oiseau montre argent partir. Argent? C'est trop bien! Un peu de thune. Bah, on peut bien voler un petit billet de 10 balles. Il va pas voir la différence, hein. Et il y a RA9 marqué partout. Montre, oiseau, oiseau. Comme quoi, je disais que l'autre, il empaillait des lapins. En fait, il empaillait des pierres. C'est pas beaucoup mieux, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut analyser ou pas? La montre, je pense que c'est à lui, par contre. Ah, elle est pétée. Ok, je vois pas trop à quoi ça aide. On a gagné 10 balles, écoute, ça peut toujours servir. Hein. Ok. Franchement, en vrai, j'ai pris un billet, ça va, il va pas remarquer. C'est quoi? Ok, une pub sur les androïdes. Mais il empaille vraiment des bestioles en plus, j'avais bon, hein. I'm alive, il a aussi écrit I'm alive sur le mur. Je peux passer par là ou pas? L1, attends, je vais regarder. Putain, c'est ouf, c'est obsessionnel le truc de RA9 en fait. Mais du coup, quand ils deviennent déviants, genre pourquoi moi je l'ai pas ça? Parce que les deux autres déviants qu'on a vus, donc lui, enfin le dingo Joker et l'autre là qui a buté l'autre avec 28 coups de couteau, c'était assez violent à chaque fois, enfin ils sont manifestement instables. Pourquoi nous, ou Marcus, on n'a pas eu ce côté à écrire RA9 partout? Tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas ça, cette différence de traitement. Pourquoi il y en a que ça devient, ils deviennent dingues? Allez, un petit peu de feu-feu. Oh, je pense pas, ça fera une cheminée. Attendre qu'Alice se réveille. Très bien. Bah, est-ce qu'on peut faire un petit tour en attendant, genre monter et tout? Vous m'avez dit que j'avais pas visité la dernière fois, j'avais pas pensé en fait. Je pensais qu'il fallait juste que je me couche. J'avoue que j'étais dans l'urgence de « il faut dormir ». J'étais tellement en mode content d'avoir trouvé un endroit chauffé que... Il y a quelque chose ici ou pas? Non, il n'y a rien. Et ben on va monter à l'étage. Ce serait bien que tu t'enlèves aussi ta petite vignette là. Trouver de nouveaux vêtements. Ok, bon on va voir ça à l'étage. On va bien trouver quelque chose. Vêtements de femme adulte, ça devrait pas être trop compliqué à trouver. Ah, vous m'avez dit que la dernière fois j'avais loupé d'aller dans la laverie. En fait, j'avais pas... Je pensais que je pouvais pas y aller parce qu'il y avait marqué « Vous ne pouvez pas y rester ». Donc du coup... Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors... Ah, un vêtement... une armoire. On va trouver des petits vêtements là-dedans. Bah, il y a une veste. Ça va être déjà bien, une veste. C'est sympathique. Elle est belle, la veste. Stylée. J'aurais bien aimé une nouvelle tenue, carrément, mais... Une veste, en soi, c'est cool, hein. Non, parce que c'est bien qu'on grille pas trop qu'on ait un androïde quand même. Hein. Mais il faudrait enlever le petit chelou, quoi. Ah, c'est totalement changé, en fait. Cool. Se couper les cheveux. Ok, bah bien. On va... il faut peut-être des ciseaux, du coup, je suis... Attends, il y a quoi? Attendre qu'elle se réveille, se couper les cheveux. Ok, donc il faut un miroir. Donc je suppose qu'il doit y avoir une salle de bain à côté. Il y a quelque chose ici ou... Non, c'est juste le truc qui se casse la gueule. Ok, très bien. C'est un peu glaucounet. Je sais pas où il est parti, le Joker, hein, mais... Est-ce qu'ici, il y a quelque chose? On aurait pu dormir là. Ouais, non, mais t'es bien en bas. On était bien en bas. Ok, d'accord. Salle de bain, du coup, pour se couper les cheveux, hein. Par contre, il faut trouver des ciseaux, quoi. Ah, bah, il y en a... Oh, bah, magnifique. C'était destiné, en fait, hein. Allez, on coupe. Pas trop court, quand même, hein. Oui, pas là. Si tu vas mèche par mèche, meuf, t'en pourras bonbon, quand même, hein. Elle est mignonne, ma petite Cara. Je l'aime beaucoup. Ah, elle essaie de faire ça bien quand même, hein. Ah non, j'ai rien dit. Non, si, elle est bien, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Elle est bien, elle est bien, elle est bien. Ah, on peut changer la couleur. Blond, blanc, noir ou terminé. Bon, on va lui faire un petit truc. De toute façon, quand on a un cap dans notre vie, il faut qu'on aille chez le coiffeur. C'est connu, hein. Noir.
Noir, c'est pas mal. Ouais, terminé. J'aime bien noir. J'aime bien. Ça lui va bien. En plus, avec les yeux bleus, c'est joli. Ah, voilà, elle va enlever sa pupusse. C'est plus sûr pour pas qu'on capte que c'est une androïde, quoi. Sinon, c'est un petit peu, hein. Baf, 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 hein. Voilà, ma fille, tu es libre. Tu es indépendante de ton statut de création, maintenant. Moi, j'aurais gardé les ciseaux. C'est toujours pratique, hein, une petite lame, hein. Ok, on peut retourner voir Alice. Est-ce qu'il y a autre chose à faire dans la salle de bain? On ne sait jamais. Non. Oh, si, peut-être là, il y a un truc. Ouvrir. Déjà, il y a l'autre dedans, tu sais. Pas de panique. Ok, si, peut-être un peu... Waouh. Ok, il a donc buté sans doute son ancien maître. C'est pas très rassurant. Et il y a une pince accrochée. Ok, on peut pas retirer le rideau? On ne peut pas tirer le rideau, je suis contente. Alice! On va peut-être pas trop tarder, ma chérie! Hein? On va... Voilà, on va pas trop traîner. Il y a la police. Pourquoi il y a la police? Parce que j'ai volé une barre de céréales? C'est tout pour l'instant. Tu peux y aller. Merde, il y a Hank! On a des agents qui inspectent le quartier au cas où quelqu'un aurait vu quelque chose. Ok, préviens-moi s'ils trouvent quelque chose. Non, ils vont rien trouver, non! Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Aucune idée. Oh merde. Oh, faut qu'on se barre. Alice! Elle a pris le premier bus qui passait. Et est restée jusqu'au bout de la ligne. Donc il a signalé l'enlèvement de l'autre. Sa décision n'était pas planifiée, mais fondée sur la peur. Les androïdes ne ressemblent pas à la peur. Les déviants, si. Ils peuvent être submergés par leurs émotions et prendre des décisions irrationnelles. Ça nous dit toujours pas où elle est allée. Elle n'avait rien prévu. Et ne savait pas où aller. Elle n'est peut-être pas loin. Peut-être. Oh là 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 là. Pourquoi j'ai refait du feu? Faut éteindre le feu. Bah non, si j'éteins le feu, c'est... Ralph a trouvé ça pour nourrir la fillette. C'est bon pour elle. C'est gentil, pour Ralph. Pour les malentendus entre nous. Ralph va cuisiner. Nous c'est gentil. Faire comme les humains. Oui. Ils aiment la viande brûlée. Approchez. Venez vous asseoir. Faut la préparer quand même, hein. On va s'asseoir. On va pas le braquer. Il a quand même un couteau dans les mains. C'est mieux. Voilà. Doucement, Ralph. C'est donner du mal pour toi. Mais oui, voilà, il part mignon, tu vois. Ce serait mal poli de sa part de refuser, n'est-ce pas? Pourquoi on a toujours des mecs psychopathes? Non, le coup pas devant nous quand même. Ça va être trop chiant. J'ai peut-être pas dû dormir là, hein. Faut le préparer normalement, succulent. Le machin. Vous allez voir, succulent. Le père, la mère, la fille. Ah. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dire la vérité. Elle a dit qu'elle ne voulait pas manger ça. Ah merde! Il fallait pas que je la balance, merde! Peut-être que ce n'est pas assez bon. Peut-être qu'elle est habituée à quelque chose de mieux. Mais Ralph a fait ça rien que pour elle! Alors elle va le manger! Oh, eh oh, eh oh! Mais c'est pas bien, non? C'est une petite fille, elle a déjà été traumatisée 50 fois! Vas-y. Mange. J'aurais jamais dû dormir là. Non, mais elle va pas manger ça. Hein. Non, mais non. Non, elle va pas manger ça en fait. Mange. Elle va pas manger ça. Non, mais tu lui gueules pas dessus. Mais d'où tu lui gueules dessus? Pourquoi on peut pas intervenir là? Kara? Mange. Kara? Mais interviens, pourquoi elle intervient pas? Demandez pour le cadavre. Bluffé. Nous lever maintenant. Et nous allons partir, Ralph. Non. Si. Non, vous n'allez pas partir. Si. C'est Ralph qui décide. Ralph est un grand malade. Ralph est un grand malade. Ralph, il va se détendre, il va aller empailler des lapins. On va demander pour le cadavre, ça va peut-être lui perturber un peu. C'est toi qui as tué cet humain, n'est-ce pas? Non. Non, il était comme ça quand Ralph l'a trouvé. Je me dis, ça, si Ralph, c'est un chemin débloqué, en général, c'est mieux. Voilà, ça le... Tu vois, ça le culpabilise. Il est juste être ami avec vous. Voilà. Gentil, Ralph.
Alors laisse-nous partir. Voilà, gentil. Bon garçon. Y a quelqu'un ici? C'est connard! Y a personne! Il y a des sangbleus sur le grillage. C'est pas nous! Je sais que l'endroit est passé par là. C'est pas nous! Y'a... Non, 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 je suis pas... Y'a personne, regarde, y'a personne, je repars, je suis un mauvais détective. Oh là là, je me suis trompée, en fait, j'ai confondu avec le bleu de la grille. Voilà, c'est pas du tout Kara, c'est... Bah, après, il va trouver Ralph. Mais Ralph, il va se faire arrêter, du coup. Pauvre Ralph. Mais je suis obligée, je peux pas le faire se foirer. Attends, si je reste là, si je fais rien, il se passe rien, peut-être. Vas-y, si je reste là, moi, j'ai pas envie d'y aller. Vas-y, je dénonce pas, je vais rester là. Je n'avance pas. Oh là 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 là, je veux pas qu'il arrête Kara, c'est trop psychologiquement difficile. Kara, passe par derrière, attends, je laisse le temps. Voilà, ah, je prends la douche. Oh là là, c'est sympathique ici, c'est grisounet, mais j'achèterais bien un petit loft, ou un petit chalet, ou un petit cottage. C'est beau les cottages, on peut mettre un petit jardin. Ou après il pleut beaucoup, mais c'est bon pour les carottes et puis pour les salades aussi, je pourrais avoir un petit potager. Oui, je vais m'acheter une petite maison dans le coin. Bon, je pense qu'elle a eu le temps de partir un petit peu. La 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 la, y'a personne dans cette maison, j'avance totalement pour rien. Oh là là, y'a une palissade, je suis sûre que le déviant est passé par ce trou. Du coup, y'a absolument personne dans la maison, évidemment. La la la, la la la, la 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 la. On va regarder là, mais après s'il tombe sur l'autre, ça va. Android dans la maison. Ah merde, il les voit. Oh là 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 là. Oh là là, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Bah vas-y, j'ai pas le choix de toute façon, donc... Allez, va y rester Ralph tout seul. Il reste Ralph tout seul. Scanner l'androïde. Scan, mon grand, scan. Aïe, Je cherche une AX400. Tu l'as vu? Ralph n'a vu personne. Comment je peux le scanner? Ah, faut que je m'approche peut-être. Mais je veux trop pas qu'il la trouve, moi. Ok, alors on peut découvrir un petit peu de choses. L'aide de traitement. Ok, d'accord. Il y a peu de chances qu'il s'autodétruise. Ici. Modèle jardinier. Il est porté disparu, ok. Trace de brûlure, le pauvre. Ça, c'est quand il s'est fait emmerder. Ok. Bon, bah, ok. Trouver ce qui stresse l'androïde. Mais ça, c'est que Connor qui peut le faire, ça. Hein. Rassurer. Pas peur. Je ne vais pas te faire de mal. Du coup, ça le stresse encore plus, évidemment. Sang bleu. Il y a du sang bleu sur le grillage. Je sais qu'un androïde est passé par là. Ralph s'était gratigné en passant. Oui, ça, c'est crédible. C'est le sang de Ralph. Ça, c'est possible. Et bah, déviant. Y a-t-il d'autres androïdes par ici? D'autres androïdes? Non, 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 non. Ralph est tout seul. Je veux pas qu'il la trouve en fait. Je sais pas où l'envoyer pour pas qu'il la trouve. C'est trop un bon détective, Connor, en vrai. J'ai pas envie qu'il soit bon là. Bon, le magazine. Bah, du coup, en faisant vraiment son taf, forcément, il trouve des trucs quoi. Pourquoi il fait un feu, genre? Bah oui, ils ont pas besoin de chaleur, forcément. T'as mis pour 3 personnes, les nourritures, les androïdes ne mangent pas. Bon, après, c'est pas de la nourriture, il a cramé une bestiole, hein. Il y a aussi marqué ça. Donc ça, c'est bon pour l'enquête de Connor, par contre, qui voit qu'il a marqué ce truc-là partout. C'est bien que Kara ait pris un petit billet, quand même. Je suis contente pour elle. C'est au moins ça qu'on peut pas nous enlever, comme on dit, hein. Il y avait un truc ici aussi. Bon là, il y a rien à voir, hein. Je sais pas à quoi ça sert, ce truc. Ça se trouve, il y avait un truc que j'ai loupé. Ah, il stresse plus quand je m'approche de là. C'est ça que t'es en train de me dire? Trouver la source du stress. Ouais, il stresse plus quand on monte. Oh putain. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut? Non. Personne. L'androïde dit la vérité, ok. Peut-être si je monte et que je vois le cadavre. Ah, je peux pas. Ah, mon amour. Il y a Merlin qui est à côté. Pourquoi il stresse quand je m'approche de là, en fait? Inspecter ici.
Merde, j'aurais pas dû faire ça. Kara, vite, courez. Merde, 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 je voulais pas qu'il les trouve. Connor, qu'est-ce qui se passe? Prévenez-le. Oh merde, merde, non, 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 j'ai fait trop de zèle, j'aurais mieux fait de rien trouver. Par là, elle se dirige vers la gare. Shit. Shit, 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 shit. Faut que je cours, je suis obligée. Je veux pas, moi, qu'il la trouve, hein. Je suppose que je suis obligée pour réussir le truc, enfin... C'est quoi, ici? Elles sont là. Non, mais je les laisse passer, hein. Je les laisse clairement passer, hein. Je veux pas qu'il les rattrape, donc... vas-y, vas-y, prends ton temps. Vas-y. Bah c'est oui, je veux pas qu'il les rattrape, moi, donc... C'est n'importe quoi. Ok, bah nickel. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. C'est très bien passé. Elle s'est barrée. Ah, j'ai eu très peur. J'ai cru que ça allait partir beaucoup plus en cacahuète. Et en fait, non, c'est bon. J'ai juste eu à contrôler qu'il la rattrape pas, donc... Par contre, ça pouvait durer vachement plus longtemps, en fait. Ah ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai fait qu'il y a... Je peux zoomer, là? Attends. Ah, parce que j'ai atteint la clôture trop tard. Si je l'aurais rattrapé à ce moment-là... Putain, c'est ça. Je l'aurais rattrapé et en fait, ça aurait tout continué. En fait, j'aurais pu vraiment essayer de la rattraper. Moi, j'avais pas envie, en fait. Je voulais qu'elle se barre. C'est très bien. C'est très bien, cette histoire. Bah, je suis très contente. Écoute, Ok, donc, alors, c'était vraiment un très, très grand arbrisseau. Putain, il y a tout ça là-haut aussi. Bah oui, en fonction du départ que j'avais avant. En vrai, en fonction de ce que j'avais fait, si j'avais dormi avec Alice ou pas. Purée, c'est ouf. C'est complètement... Alors écoutez, je me trouve extrêmement satisfaite. Bon, moi je suis à une heure de rush, donc je pense que vous aurez moins, parce que les moments où j'ai galéré avec Marcus à chercher pour long, donc j'aurais coupé un peu, mais on doit quand même être pas loin des 50 minutes au moins. Franchement, je suis très contente de mes 3 arbrisseaux. Bon, Connor, j'ai un petit peu foiré avec Hank à 2-3 moments, mais bon... Est-ce que c'est grave? Non, parce que c'est pas plus mal, je trouve que Hank, des fois, il m'entend gueuler aussi un peu, ça montre que j'ai du caractère, et je pense que Hank, il cherche l'individu qui est en moi plutôt que le modèle classique, donc c'est pas trop mal, des fois, je pense, d'aller au fight avec lui. Et après, Marcus, bah du coup, il s'est barré, et Kara, bah, elle s'en est bien sortie, j'ai gagné 10 balles. Donc Kara, si on résume, elle a une petite pince pour couper le grillage, une barre de céréales et 10 balles. C'est pas trop mal, en vrai, je m'en suis bien sortie, mais je suis super intriguée de savoir jusqu'où Connor, il aurait pu les suivre, en fait. Oh, bah du coup, je suis trop contente. Je vais aller manger parce que je crève la dalle. Je vous fais tout plein de gros bisous. J'ai trop hâte de lire vos commentaires et savoir ce que vous pensez un peu des choix que j'ai faits. J'espère que je me suis pas trop foirée, mais je pense pas. Normalement, là, j'ai pas trop merdouillé. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous aime très fort. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, en attendant, on n'oublie pas... Pouka, pouka, pouka.